Fin des corrigés du marketing digital de arrobase à Z. Et bien voilà, chers amis, c'est la fin. Je vous quitte avec un peu de nostalgie. J'avais pris goût à ce rendez-vous régulier pour faire le corrigé d'un chapitre. On est arrivé au bout des 32 chapitres. Je ne peux pas imaginer une seconde que vous ayez lu chaque page du livre et visionné chaque vidéo des 32 exercices, enfin des 32 pages d'exercices pour en visionner les corriger. Si ça devait être le cas, si quelqu'un parmi vous a bien visionné ces 32 vidéos, eh bien, je vous invite à déjeuner lors de votre prochain passage à Paris. C'est bien la moindre des choses que je puisse faire pour vous si vous m'avez supporté pendant 32 épisodes. Donc, mille merci à tous ceux qui ont eu la gentillesse de regarder ici ou là un corrigé. Je vous quitte en vous montrant, bien sûr, le site internet du livre Marketing Digital à Z, tout attaché, où vous allez pouvoir avoir et télécharger un glossaire de 100 pages sur les mots du marketing digital, revoir, parce que ceux qui l'ont vu voudront le revoir, revoir les corrigés d'exercices, télécharger en PowerPoint ou en Keynote les slides du livre que vous avez. Je ne vous propose pas d'acheter le livre, parce que si vous êtes là avec moi, c'est que vous avez certainement déjà acheté ce livre. Je vous invite vraiment à participer à cette taxinomie collective sur le classement des différentes branches du marketing digital. Voir pourquoi pas quelques vidéos live que nous avons fait avec certains de nos influenceurs, certains de nos experts qui nous ont fait l'amitié de nous aider pour rédiger telle ou telle partie. Donc il y a une cinquantaine de vidéos, allez piocher et chercher votre bonheur là-dedans. Vous pouvez aussi télécharger le sommaire du bouquin, quelques encadrés. Voilà quelques-uns de nos experts, Fred Cavazza, PPC, Jean-Philippe Simsit. Je n'ai pas beaucoup cité Yann Grovenek, qui est le co-auteur de ce livre. Il m'a laissé la joie de faire les corrections tout seul, mais ce livre a été, bien sûr, écrit à deux mains. Et donc voilà ce merveilleux site. La couverture, vous la connaissez par cœur, je n'en dis pas plus. Et puis, les fameux 7 chapitres, pareil, je n'en dis pas plus, le sommaire, un sommaire très 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 dense, et rien que dans le sommaire, on a déjà une information sur le bouquin, partie 1, partie 2, définir le marketing digital, se préparer au marketing de demain avec les fameuses NBIC, le Web 3, fondamentalement important le Web 3, concevoir sa stratégie, faire son search, partie 5, le search, le référencement, le SEO, SEA, ASO, SMO et bien sûr le retail media et ensuite le contenu et on finit par les communautés. Voilà, on a fait trois fois le tour de tout ce qui était nécessaire. Encore une fois, mille merci de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt en cours pour certains de mes élèves, en conférence pour les entreprises qui me font la joie, la gentillesse de me réserver pour des webinars, des conférences ou pour une prise de parole publique. Sur le MOOC Udemy, parce que je vais bientôt lancer un cours sur le marketing digital, j'en fais ici la promotion. Et d'ici là, écoutez, je vous dis, portez-vous bien, faites du marketing digital. J'espère que cet ouvrage et ces corrigés vous auront apporté quelque chose. C'est l'unique vœu que Yann et moi formulons. Je vous dis donc, non pas à bientôt, mais revoyons-nous, bon vent, revoyons-nous sous d'autres hémisphères et sous d'autres auspices. Merci encore et à bientôt.